dégage, il n'y a pas moi. Il n'y a pas moi. Enseignez-moi la parole. Oh, mon Dieu, la pitié est de l'homme. À toi, tiens, prière, tiens, prière. En tant que tu es bien, le Jésus, le Jésus. Oh, qui met la parole dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Parce que mon frère, parce que moi, dans mon cœur, la parole de Dieu, brille mon cœur. Merci force éternelle, merci roi de gloire, merci le principe de la création de Dieu, c'est lui qui parle depuis l'éternité, c'est lui qui a tué la mort et qui a mis en épreuve et en exergue la vie et l'immortalité par l'évangile. Merci Seigneur, béni Jésus, oh amen, 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 merci Seigneur, je baisse les micros, merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Non, c'est terminé. Amen, amen. Je baisse le micro, je baisse le micro. Merci, merci. Là-bas, j'ai baissé le micro. Voilà, très clairement. Je passe dans la parole de Dieu. Tu es debout, tu es forte, tu es fort. Tu as prié pour que la parole soit dans ton cœur. Tu comprends? Tu as prié pour que la parole qui est forte déracine ce que le Père n'a pas planté dans ton cœur. Tu comprends? Tu as prié avec la foi. La Bible dit dans Luc 17 que le Seigneur a dit, si vous aviez de la foi, Luc 17 à partir du verset 6, le Seigneur a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi. Important de comprendre. Nous sommes dans le chapitre profond, enraciné de la prière. La foi est une ferme assurance, une arme efficace, une arme que le Seigneur a donnée à l'Église pour prier, pour combattre. La foi est importante. Voilà, on y reviendra une autre fois pour parler de l'importance de la foi dans la prière. Mais je quote ce passage biblique pour montrer ce qui est important, comment le Seigneur dit, si tu as la foi, tu diras ceci comment, déracine-toi. Le mot déracine-toi est important et plante-toi dans la mer. C'est important de comprendre. Déracine-toi, ça veut dire qu'il y a les racines, tu comprends, qui sont dans le cœur. C'est dans le cœur que les choses sont plantées. C'est dans le cœur que la rébellion, la mort, l'animosité, la malédiction, tu comprends, est plantée. Quand vous entendez que quelqu'un est parti au feu éternel, alors qu'il venait à l'église, alors qu'il priait, alors qu'il jeûnait. Quel est son problème? Si vous examinez, vous allez voir que son cœur, dans son cœur, il y a des choses qui étaient plantées là-bas. Tu comprends? Plantées dans le cœur. Et Dieu connaît le cœur. Donc, quand quelqu'un vient pour demander la grâce à Dieu, pour demander la faveur à Dieu, Dieu commence à travailler fort pour déraciner ce qui est dans le cœur. Tu comprends? Il va enlever, il va briser le roc là, il va briser le péché, il va briser l'endurcissement. Voilà d'abord ce que le Seigneur regarde, le cœur. Qu'est-ce qui est planté? Jésus dit que là-bas, que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera coupé, c'est-à-dire déraciné, enlevé dans sa racine, crucifié
été détruit. Tu comprends? Voilà d'abord ce que le Père veut faire. Vous entendez les personnes qui prennent les conditions, les enseignements de la parole de Dieu. Ils ne veulent pas être déracinés dans leur moi, dans le je veux, dans le il me faut, dans le sang de la chair, dans le sang du sexe, dans le sang du plaisir, dans le plaisir de le plaisir de l'orgueil. L'orgueil a un plaisir. L'orgueil a une satisfaction qui le donne. Le démon de l'orgueil a une satisfaction qu'il donne à ceux qui aiment l'élévation, à ceux qui aiment la complaisance, à ceux qui aiment le plaisir. Les démons là ont une vie. C'est avec la vie là qu'ils le tiennent. Voilà, ce sont les racines là. C'est avec la force là. Ce sont la force du plaisir là. C'est la racine qui fait que les frères, les sœurs, les personnes que Dieu veut appeler pour les faire renaître en nouveauté de vie, ils ne peuvent pas quitter à cause de ces racines. Donc, ils sont attachés. Ils ne peuvent pas se détacher de eux-mêmes. Ces personnes-là ont dans le cœur des choses terribles. Ils ne peuvent pas prier. Donc, ils vont écouter la parole de Dieu qui dit que demande. Et puis, on a vu comment la trajectoire de la prière. On a vu que dans la prière, le Seigneur t'aide d'abord à identifier la préciosité du royaume des cieux. Et puis, comment est-ce que ce royaume est caché? Parce que tout ce qui est précieux n'est pas facile à trouver. C'est cher. Ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Je vous ai donné l'exemple. Si tu veux, par exemple, regarder les grosses voitures. Les voitures-là, ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Cependant, tout le monde a des voitures. Mais il y a des voitures qui coûtent près de 600 millions. Tu comprends? Alors, des voitures comme ça, il y a des voitures chères. Alors, qui va aller les acheter pour toi? Personne ne risquera d'aller le faire. Donc, tu peux grandir dans un pays. Tu ne vois même pas ce genre de voitures. Il y a les pays d'Afrique pour une limousine. Là-bas, c'est trop rare. Tu comprends? Alors que la limousine même ne coûte pas 80 millions. Bon, mais il y a des voitures qu'on ne voit pas. Par exemple, beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir à cause du fait que ces choses-là sont chères. Donc, c'est pareil aujourd'hui pour le royaume des cieux, pour la vraie église, la vraie parole. Tu comprends? Qui va déraciner, qui va t'enlever de la racine qui t'attache au monde. Frère, soeur, maman, papa, que tu sois, je t'appelle aujourd'hui pour te dire que, mon ami, la force, la parole, la richesse, la préciosité, l'effort qu'il faut investir pour que tu sortes du monde, tu comprends? L'église où il faut que tu partes pour qu'on te prêche la parole, la qualité de la parole qui va faire que tu quittes le monde, qu'on t'arrache du monde, avec tout ce qu'il y a du monde, pour que tu montes au ciel, à l'enlèvement. Tu ne vas pas trouver ça partout. Tu comprends? Tu peux faire un pays, tu peux vivre toute ta vie sur la terre, sans tomber sur une église qui va te montrer, qui va t'enseigner, qui va venir avec les instruments nécessaires, avec les appareils nécessaires pour bombarder la fondation de la mort où tu as été damné, où on t'a enterré, pour que Jésus a été déterré. Ce n'est pas tous les pays qui ont les matériaux là. Ce n'est pas toutes les églises qui ont la parole là, qui va aller te déterrer. La parole qui dit que quand les morts entendront la voix du Fils de l'homme, ils vont sortir dans les ténèbres de la mort, des chaînes de la mort. La parole qui donne la vie aux ossements desséchés, celle-là, mon frère, est très chère. Ce n'est pas tout le monde. Même si tu t'as dit que c'est, et puis c'est spirituel, tu vois quelqu'un va venir dans un endroit comme celui-ci, il ne va pas aimer parce que la parole cherche à le déraciner, à le détruire. Tu ne peux pas suivre Jésus. Regarde Jésus. Les gens disent qu'il est populaire. Le vrai Jésus n'est pas populaire. C'est le faux Jésus qui est populaire. Le faux Jésus, lui, il parle du monde. Tu comprends? Lui, il donne les choses de la terre aux gens. Tu comprends? Lui, il vient satisfaire la chair. Lui, il vient dire aux gens que aimez vos vies sur la terre. Suivez-moi avec les requêtes de prière pour gagner vos vies. Donc, il y a la racine du monde qui est en eux
Et puis c'est à partir de la racine du monde qu'ils reçoivent le Jésus. Ça, c'est le faux Jésus. C'est lui qui est populaire. Mais le vrai Jésus dit que je suis contre ta vie. Donc je veux te déraciner. Tu comprends, mon frère? Je veux t'enlever de la terre. Je suis contre ton succès. Parce que ton succès qui est sur la terre t'enracine sur la terre. Tu comprends? Alors que le succès de Dieu t'enracinera au ciel. Et puis maintenant, tu ne peux pas naître quand tu n'es pas mort ailleurs. Et tu ne peux pas vivre à deux places. C'est pourquoi je viens pour te dire que je déteste ta vie. Celui qui aime sa vie la perdra. Le Jésus-là n'est pas populaire. Tu comprends? J'étais en train de méditer beaucoup. Le Jésus-là n'est pas, le vrai Jésus n'est pas populaire. On le laisse toujours, on le quitte. C'est pourquoi ces vraies églises sont rejetées, sont marginalisées. La parole, si, mets ça sur YouTube, donne à quelqu'un. Il va te dire que ce n'est pas son genre de parole. Tu comprends? Parce que la parole s'y cherche à le déraciner. La parole s'y cherche à lui dire que tu es maudit. Tu comprends? Dans ton succès, dans ta quête, dans ton mensonge, dans ton bonheur, tu comprends? Tout ce que tu fais, tu es parti, c'est fini, tu es zéro, tu es en danger pour le feu éternel. Répands-toi, c'est trop cher pour lui. Il doit payer trop cher pour avoir la parole là. Il doit payer trop cher de sa vie pour écouter le message. Donc ça coûte très cher pour lui. Il ne pourra donc pas payer. Quand il va voir que si je vais écouter la parole, si cet homme qui me dit, c'est Jésus, le vrai Jésus. Il me dit que va, vends tout ce que tu possèdes si tu veux être parfait et puis suis-moi. Mais comment? Ça, il ne peut pas, je ne peux pas payer. Tu comprends? C'est trop cher. Tu comprends? Le roi des cieux là est trop précieux. Hein? C'est une perle qui demande que je vende toute autre chose pour ne chercher que cette perle. Est-ce que je suis prêt à payer le prix là? Alors, il ne peut pas. Il reste enraciné dans le monde. La racine du monde le tient. Et il commence maintenant à prendre un faux Jésus et il s'habille avec le faux Jésus de la prière pour obtenir ce qu'il cherche avec son idole au cœur. Le faux Jésus des jeunes pour obtenir ce qu'il cherche avec son idole du monde au cœur. Le faux Jésus dans la croissance de l'église, toutes les requêtes qu'il va faire, c'est toujours pour protéger l'idole qui est dans son cœur. Autrement dit, il est orgueilleux et Dieu connaît. Il va tout faire pour paraître juste aux yeux des hommes. Le faux Jésus qui veut que tu donnes seulement quand les gens voient, mais que tu ne donnes pas au vrai. Je dis que le vrai Jésus n'est pas populaire, hein? On ne le connaît pas. C'est pourquoi lui-même vient, il dit dans Matthieu 7, il dit au verset 21 là, que beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a fait des miracles par ton nom, on a chassé les démons par ton nom. Et il dit quoi? Que il disait bien beaucoup, on a fait. Donc on te connaissait. Jésus va lui dire, non, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Donc vous ne me connaissez pas. Tu vois là? Donc il n'était pas populaire. Tu vois? Le vrai Jésus n'est pas populaire. C'est le faux Jésus qui est populaire là-bas dehors. Le vaudor, la bête, le mensonge. Le Jésus de l'apparence. Le Jésus de l'activité. Comme tout le monde à l'église. Et puis on chante aussi, font tout pour chanter le faux Jésus avec des choses dans leur cœur. Dieu regarde le cœur. Donc toutes les louanges là, toutes les prophéties là, tous les miracles qu'ils disaient qu'ils faisaient, ça ne vient pas du cœur parce qu'ils n'ont pas laissé que la vraie foi déracine leur attachement au monde. Ils n'ont pas laissé. La Bible dit que la vraie foi, c'est celle qui triomphe du monde. Tu dis que tu es chrétien, mais tu n'arrives pas à être déconnecté du monde pour monter à l'enlèvement. Avec Christ, ton cœur est dans le monde. Ton cœur est enraciné dans le monde à cause des trésors de la terre. Toute ta prière ne monte pas vers le ciel. La Bible dit dans le livre de Luc 16, verset 15, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Tu comprends? Voilà ce que Jésus leur dit. Le vrai Jésus, le Jésus populaire, ne peut pas être populaire dans le monde. Tu comprends? Il est populaire là où il y a la sainteté. C'est la sainteté, la vraie adoration. Ceux qui le connaissent
en esprit, en vérité. Voilà ce qui le popularise. Sa popularité ne peut pas être dans le monde. Tu comprends très clair. Ils vont adorer dans l'apparence. Quand il vient, le monde va le détester parce que le monde ne le connaît pas. Il dit bien que, Père, le monde ne t'a pas connu. Tu comprends comment vous allez? Il va être populaire là où il n'est pas connu. Tu comprends? Celui qui l'a connu ne pratique pas le péché. Tu comprends? Et il ne peut pas pécher. Jésus dit que le Père, vous paraissez, vous cherchez. Tu comprends? On a vu dans la prière que lorsque le Seigneur montre que le royaume des cieux est précieux, est caché, alors l'autre étape, c'était maintenant de chercher. Tu comprends? Alors, eux, ils ne vont pas chercher la justice du royaume de Dieu, la sainteté, c'est-à-dire que la vérité du royaume des cieux, au lieu de se mentir sur la terre, ils se mentent. Ils croient que c'est chanter qui t'amène au ciel. Ils croient que c'est commencer une église qui t'amène au ciel. Ils croient que c'est prier qui t'amène au ciel. Ils croient que c'est prêcher qui t'amène au ciel. Ils croient que c'est joindre une église qui t'amène au ciel. Non! Tu triches, Dieu veut le cœur. C'est le cœur qui t'amène au ciel. Tu comprends? C'est le cœur qui va te conduire au ciel. C'est pas le cœur que tu verras Dieu. Quand le cœur est pur, quand c'est Christ qui est le fondement dans ton cœur, tu comprends? C'est du cœur, voilà que viennent les sources de la vie. Donc tu dois avoir le cœur de Jésus-Christ, le cœur qui est pur. Car c'est ceux qui ont le cœur pur qui vont voir Dieu. Donc c'est du cœur. C'est le cœur qui va t'amener au ciel. On comprend par le cœur. On chante par le cœur. On prie par le cœur. Donc le Seigneur te demande aujourd'hui, est-ce que la prière que tu lui donnes vient du cœur? C'est le cœur là. Tu as demandé, tu as triché la requête des prières. Beaucoup trichent. Quand ils ont entendu, comme on a dit que après maintenant, premier pas de la prière, c'est chercher. Donc tu cherches le royaume des cieux et puis tu vas trouver la porte. Et quand tu trouves la porte qui est toi, tu frappes. Et quand tu frappes, on ouvre. C'est ce qu'il a dit, chercher. Vous trouverez, frapper, on vous ouvrira. On ouvre, tu entres et puis tu vois le roi avec le cœur pur. Alors tu demandes et puis tu vas recevoir. Beaucoup comprennent, ils ont triché, qu'il faut demander la vie éternelle, il faut demander le salut. Et il a compris comme ça, mais il a toujours sa racine, tu comprends? Parce qu'il n'a pas la vraie foi pour être déraciné, pour que la prière vienne de son cœur, tu comprends? La Bible a dit que Dieu connaît vos cœurs, tu comprends? Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Donc ce n'est pas du cœur que toi tu vas prier, que tu vas aller au ciel, que ta mère part au ciel, que ton frère part au ciel, ta prière c'est le mensonge. Le thème de notre enseignement aujourd'hui devait être, est-ce que ce que tu demandes là, c'est dans ton cœur? Est-ce que la requête que tu as là, si ce n'est pas dans ton cœur, alors tu as triché, tu comprends? Dieu fait tout pour mettre dans ton cœur, en déracinant d'abord la mauvaise vie, le mauvais intérêt, tu comprends? La mauvaise priorité que tu avais avant, je fais, il dit que renonce à toi-même. Je connais les cœurs, je veux déraciner, je veux t'enlever de la vie là, du monde là, tu comprends? Je veux t'enlever de toutes tes choses que tu regardes. Tu as quelques minutes du feu éternel. Dieu travaille fort pour que la requête soit dans ton cœur, pour que tu connaisses. Est-ce que tu sais ce que tu demandes? Est-ce que tu comprends ce que tu demandes? Est-ce que tu vis pour la requête là? Ce n'est pas dans ton cœur. Tu es un menteur. Tu aimes le monde, tu aimes toi-même, tu ne sais pas ce que tu demandes. Donc Dieu te dit, ce n'est pas l'activité. Si tu veux me suivre, que tu renonces à toi-même, tu comprends? À tous tes projets, toutes tes ambitions, que je te déracine, afin que je mette en toi une nouvelle racine, le rejeton de la tribu de David. C'est comme ça qu'on l'appelle, un rejeton qui va germer en toi pour voir l'éternité, Christ en toi, la requête de prière qui sort du cœur, tu comprends, de la racine du cœur, que rien ne peut déraciner, la racine qui est attachée avec Jésus, a planté au ciel, la racine, l'homme nouveau, tu comprends, inséparable de Christ,
qui ne cherchent que la vie éternelle, pas la vie, pas la sainteté, pas l'offrande, pas tout ce qu'ils font, pas les décisions. Ils veulent que ses parents aillent au ciel, que ses frères aillent au ciel. Il a simplement un objectif sur la terre, c'est dans son cœur. Il ne peut pas changer, il ne fait pas semblant. Ce n'est pas tu le mets partout, il prêche, tu le mets partout, il prie, tu le mets partout, il prophétise. Il n'a qu'un seul visage, il attend l'arrivée de Jésus, il connaît ce qu'il cherche, il a ça dans son cœur, il marche avec la perle là dans sa main, il a que ça, il dort, il ne pense qu'à ça, il se réveille, il ne pense qu'à ça, tout ce qu'il fait, il ne pense qu'à ça, c'est dans son cœur. La prière, ce n'est pas seulement parler, parler. Regarde, la Bible dit que Jésus leur dit, vous cherchez à paraître, donc ils cherchent, tu vois, mal, à paraître juste devant les hommes, juste, hein, faut bien comprendre. Ils cherchent à paraître juste, ils savent que le royaume des cieux, c'est pour les justes. Oh si, des grands menteurs. Jésus a dit que les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Il parlait des chrétiens. Dans le royaume des cieux, c'est les chrétiens qui deviendront des pharisiens, qui vont prendre le trône de leur maître. Et ils vont mettre la tradition des hommes à l'autel, à l'église. Comme vous voyez là, ils vont la tradition, l'emphase sur l'activité. Alors que dans le cœur est dans le monde, tout est pourri. Tout ce que vous faites là, le Seigneur dit que je détourne mes yeux. Tout ce truc-là, le cœur est pourri. Tu comprends? Pourri, complètement. Ce n'est pas ça qui est dans le cœur. Je veux la vie éternelle avec la bouche. Je veux la vie éternelle, mais ton cœur est loin de la vie éternelle que tu demandes. Dieu dit que prends garde. Je veux te détruire avec toutes tes ambitions pour te donner un nouveau départ. Beaucoup de religieux cherchent à paraître juste devant les hommes. Mais devant Dieu, tu ne cherches pas à paraître juste. Est-ce que parce que ton cœur, ceux qui cherchent à paraître juste devant Dieu, veillent beaucoup sur leur cœur. Et ils font tout venant du cœur. Tu comprends? C'est dans le cœur, là-bas, que le Père voit la vérité. Regarde ce que Jésus leur dit. Leur caractéristique, il dit que Dieu connaît vos cœurs. Vous jeûnez, vous priez, vous prophétisez, mais vous ne recevez pas la parole de Dieu qui dit que renonce à toi-même, à tout ce que tu possèdes, à tes intérêts. Tu ne peux pas me demander du cœur la chose que je veux que tu demandes tant que tu aimes le monde, tant que tu considères tes intérêts, tant que tu vis pour toi-même. Tu ne pourras jamais, tu comprends, jamais, jamais sortir de là-bas. Tu es damné. Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Tu comprends? Tout ce qui est élevé, c'est ce qui le dérange. Tu vois, pourquoi est-ce que tu ne cherches pas que Dieu mette la requête de prière dans ton cœur? Il veut le cœur. Il veut que tu connaisses ce que tu demandes. Important. Voilà ce qui plaît à Dieu. La requête de prière. Tu dis que tu veux la vie éternelle, mais ça, c'est à la bouche. Tu comprends, mais dans ton cœur, ce n'est pas ça que tu veux. Il connaît bien. Tu pèches plus que celui qui ne connaît pas la requête de prière. Il faut bien comprendre. Hein? Tu pèches plus que celui qui ne connaît pas. Tu triches au lieu de chercher avec le cœur. C'est pourquoi c'est trop dangereux de marcher avec Jésus quand tu n'es pas transformé. Tu comprends? À un moment, le même temps là va te tuer. Tu comprends? Et accepte la transformation dans ton cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde, qui vont quitter le monde. Quand ils vont entendre la voix de Jésus, ils vont venir lui donner tout. Ils vont dire que Seigneur, j'avais hérité le mensonge, gagné ma vie sur la terre pour aller mourir. Mon père est mort, il a laissé les maisons, tout ça, tranquille. Et puis il est parti sans rien. Mais le président de la République est mort, on l'a oublié, il a laissé tout sans rien. Mon ami qui avait le diplôme à l'université est mort, il a laissé le diplôme, tout ça, le travail, c'est quelqu'un d'autre qui a pris. Il n'est plus là, il ne connaît plus rien. Ma camarade qui avait fait le grand mariage avec le ministre est morte de cancer. L'argent n'a pas pu l'aider. Moi qui n'étais pas marié, je vis encore. Ce n'est pas par ma force, c'est Dieu qui m'appelle. J'entends sa voix. Non, je renonce à toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains. Je me déracine de tout ça. J'accepte Jésus. J'accepte la nouvelle racine de Dieu.
cœur, dans mon cœur, qui est Jésus lui-même, qui est un rejeton de la tribu de David. Je veux qu'il me conduise l'étoile brillante du matin. Il est mon espérance. C'est lui qui va s'élever. Désormais, j'abandonne tout. Je m'en vais saisir la grâce, l'unique appel de Dieu. Mon cœur sera à lui complètement. Voilà quelqu'un qui a pris la vie éternelle. Voilà quelqu'un qui aura ça dans son cœur. Pas de mariage, pas de tout, je m'en fous. Le travail, que servirait-il? Quand il va écouter la voix de Jésus, qui dit que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme ou s'il se perdait lui-même? Son cœur est content. Il cherche Jésus. Il cherche l'église qui va lui prêcher comme ça. Tu comprends? Parce qu'il n'a qu'un seul trésor. L'église qui va l'aider à protéger le trésor qui est dans son cœur. Aimer Jésus et l'attendre, le royaume des cieux. Tu vois, il est prêt à payer pour avoir une telle promesse. Donc, le Seigneur te dit, je veux que la requête de prière là soit dans ton cœur. Tu comprends? Par la bouche. Ce n'est pas ça. C'est faux. Il veut que ce soit implanté dans ton cœur. Tu vas revenir voir. On a très peu de temps parce qu'on pose simplement quelques fondements et le Seigneur parle pour aider beaucoup de personnes qui sont en train de perdre le temps à l'église croyant que Dieu les écoute. Le Seigneur dit ici, regardez, il dit dans 2 Chroniques 1, verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur. Tu comprends? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu comprends? Il ne dit pas Salomon seulement que tu as demandé la bonne chose. La Bible a dit que demandez, vous recevrez. Tu comprends? Demandez, vous recevrez. Mais il ne parle pas de ceux qui demandent de la tête. Parce qu'il dit quelque part que quand vous priez, vous élevez les mains. Dieu de tout neuf de vous, messieurs. Donc, la demande que Dieu veut, c'est celle qui est dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand le cœur est pur, tu vas demander la bonne chose. Quand le cœur est mauvais, tu vas demander la mauvaise chose. Donc, est-ce que tu t'es repenti pour avoir dans le cœur une seule chose? Dieu ne veut pas d'idole. Tu comprends? Il ne veut pas que tu considères autre chose. La seule requête, la primauté, la priorité. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu as bien compris? Oh? Il faut qu'il déracine. Tu comprends? C'est pourquoi ceux qui partent dans les églises où on les parle, Dieu va te bénir, Dieu va te faire. Toi, tu es mort. Que personne ne te mente. Tu es mort. Tu ne peux pas servir maman et tu ne peux pas servir Dieu au même moment. Tu comprends? Nul ne peut prier, ne peut servir deux maîtres. La prière, c'est pour servir Dieu. On prie pour servir Dieu. La prière, c'est pour que ton frère vive et aille au ciel pour avoir la richesse du ciel, la joie du ciel, la vie éternelle du ciel, la santé du ciel qui est éternelle. Tu comprends? Voilà la prière. La prière est un instrument pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, si tu n'es pas en Christ et avec le cœur de Christ, tu vas être du diable et ta prière sera un instrument pour amener les gens à s'enraciner dans le monde. Ce que Christ a déraciné par la foi, toi tu vas prier pour enraciner. Et là où est ton cœur, là où est ton trésor. Donc tu ne peux pas produire les vrais adorateurs. Ce que Dieu veut, c'est que ta prière, ce que tu lui demandes là, ça soit dans ton cœur. L'unique objectif, c'est à ce moment que tu vas souffrir pour ça. Tu comprends? Qu'est-ce que tu as payé? Tu as souffert comment? La prière, c'est souffrir, c'est agoniser, c'est jeûner, c'est renoncer, c'est dire que je refuse toute autre consolation, que je veux simplement être consolé de la bonne nouvelle de l'évangile de paix qui donne la vie éternelle à tous les hommes. Oui, voilà la seule consolation que je cherche. Je n'ai qu'un seul problème, que le monde, mes frères, mes contemporains soient sauvés, qu'ils n'aillent pas dans le feu éternel. C'est ceux-là qui vont demander, qui attendent la grâce de Dieu. C'est ce qu'Esther avait. Est-ce que c'est ça qui est dans ton cœur? Le Seigneur dit que puisque c'est ça à Salomon, qui est dans ton cœur. Donc il y a eu un grand travail que le Saint-Esprit a d'abord fait. Avant, dans le cœur de Salomon, il a déraciné tous les privilèges que Salomon avait. Salomon avait son frère Adonijah
qui voulait aussi devenir roi. Très clair. Salomon avait beaucoup de défaits. Il était l'enfant d'une femme qui avait été adultère. Il pouvait bien craindre. Il avait les conflits avec les sacrificateurs qui avaient pris parti pour son frère Adonija, qui s'était levé en disant que lui, il va devenir roi. Tu comprends? Il avait le cœur incrédule, le cœur orgueilleux. Salomon avait beaucoup de trucs auxquels il pouvait demander d'abord à Dieu, que sécure mon royaume. Et donne-moi. Il n'a pas regardé ça. Dieu a brisé toutes ces choses. Très clair. Et Dieu a mis dans son cœur, tu comprends, la vraie sagesse, la vraie requête pour que les hommes vivent, pour que Christ règne. Tu comprends? Voilà ce que Dieu te demande. Quand tu veux demander la vie éternelle, est-ce que tu sais ce que tu demandes? Il y a la parole de la crucifixion, le renoncement, pour que je détruise tout ce que tu es là, toute ta vie. Beaucoup prient à la bouche, mais ce n'est pas dans le cœur. Donc, Dieu dit à Salomon, puisque c'est ça, ce qui est dans ton cœur. Tu comprends? Puisque tu ne demandes pas autre chose. Demander, c'est-à-dire que tu n'aspires pas à autre chose. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Il a médité. Dieu veut que tu médites. Jésus-Christ a tout fait pour qu'on ait la requête de prière de la vie éternelle dans nos cœurs. C'est ce que les prophètes ont annoncé. Jésus dit que te servirait-il? Jésus dit que Jean-Baptiste dit que Jésus va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Voilà ce qu'on dit d'abord de Jésus, qui va envoyer les gens dans le feu qui ne s'éteint pas. Hein, tu comprends? Donc, Jésus veut que, avant que tu pries, vraiment, que ton frère soit sauvé, que tu comprennes bien ce que veut dire le feu éternel. Tu comprends? C'est ça qui fait que les gens n'ont pas la requête que Dieu veut dans le cœur. Le feu éternel, que te servirait-il de gagner la terre si tu partais dans le feu éternel? La paille dans le feu qui ne brûle, qui ne s'éteint pas pour des siècles et des siècles. Est-ce que tu as médité d'abord la doctrine du feu éternel? Tu comprends? Beaucoup n'ont pas médité ce que veut dire le feu éternel. Et ils croient que quand on prêche, il y a un pasteur, j'ai lu un témoignage, quelqu'un qui a fait un commentaire, ne dort pas sur un témoignage que quelqu'un frère racontait. Et le frère là, le monsieur là, fait seulement un commentaire, ça m'a beaucoup plu. Il a dit que si tu pars dans une église où on ne prêche pas le feu éternel, fuis vite. Et il avait raison. Tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu dans leur cœur ne peuvent pas demander le salut des âmes. Tu comprends? Ils ne peuvent pas prier. Ils ne peuvent pas être co-ouvriers avec Dieu dans la prière. Ils ne perdent pas le temps à prier pour autre chose. Parce que tout ce que le Père a pour toi, c'est déjà dans la vie de Jésus. Si tu as dans la vie de Jésus, tu n'as plus besoin de prier tous ces trucs-là pour aller faire. Quand tu es dans la vie a les dons. La vie a le nécessaire. La vie a tout. La vie est omnisciente, tout puissante. Tu comprends? Voilà. Et omniprésente. La vie est la même, véritable, dont le Père veut te donner la vie. La vie de la prière. Tu comprends? T'as dit avoir ça dans ton cœur. Il ne médite pas. Regarde ce que Dieu dit à Josué. Pour avoir ça dans son cœur, Dieu dit que ce livre de la loi dans Josué 1 ne s'éloigne point ou de ta bouche. Comme quand la bouche, l'abondance du cœur, la bouche parle. La loi, tu n'obéis pas à la loi, tu vas mourir. Tu comprends? La sainteté, voilà ce que ça veut dire. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc Josué doit méditer pour avoir dans le cœur. Puisque Dieu veut que ce soit dans le cœur. Dieu veut que lorsqu'il va arriver pour examiner ta requête de prière, qu'il le dise que puisque c'est ça là qui est dans ton cœur. Tu comprends? Puisque tu n'as plus rien d'autre que pour lequel tu m'attends seulement pour une chose. Voilà ce que Dieu attend. Tu comprends? Est-ce que tu as ça dans ton cœur? Non. Tu as beaucoup d'autres questions là, de beaucoup de désirs. Ça là, tu n'es pas crucifié. Tu comprends? Tu n'es pas prêt. Je t'en prie, répands-toi et aie ça dans ton cœur. La requête que le Père va entendre, c'est une seule requête. Tu comprends? Que servirait-il à un homme
de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Donc, dans son cœur, il a ça. Il médite. Regarde, la Bible dit que médite le jour et nuit. Tu comprends? Donc, tu médites. Que veut dire le feu éternel? Que veut dire brûler dans le feu? Si je ne suis pas sauvé, hein, comment je vais devenir? Il y a quelqu'un qui a envoyé une vidéo. Je ne sais pas si c'est les Iraniens qui ont attrapé les Américains, les soldats américains. Et ils ont attrapé deux soldats américains. Ils les ont attachés là, enchaînés. Et on les a fait tenir debout. Il y avait le feu qu'on a mis derrière eux qui brûlait petit à petit. Je crois que les soldats ne savaient pas. Le feu brûlait petit à petit. Et puis, il y avait l'essence. Donc, le feu brûlait petit à petit jusqu'à arriver à la chaîne. C'était, je crois, une chaîne en tissu, quelque chose comme ça. Et quand le feu arrivait là, sur le tissu là, et puis ils avaient mis l'essence. Donc l'essence devait, le feu devait accélérer de vitesse pour venir vers ceux qui sont enchaînés. Et le feu, tu vois comment le feu là, quand ça arrive, où il y avait l'essence là, ça s'enflamme. Les soldats, puisqu'ils avaient la face tournée comme ça, et quand le feu était allumé derrière eux, ils ne savaient pas ce qu'ils redoutaient. Le feu vient prouf, et ça les prend. Tu vois comment le feu les prend vivants, ils roulent la terre, ils crient, ils sont en train de brûler. Si ces soldats, en quittant le pays, on leur avait dit que quand vous partez lutter contre Jésus, quand tu pars là, on te dit que renonce à ta vie, tu ne veux pas, et tu acceptes seulement que toi, tu veux servir Satan, que tu veux vivre pour toi-même. Le Dieu t'informe qu'il y a deux armées. Soit tu es de l'armée de Dieu, soit tu es de l'armée de Satan. Tu comprends? Tu ne peux pas être neutre. Soit c'est l'Esprit de Dieu qui t'utilise pour que tu amasses avec Jésus, qui a dit qu'il amassera le grain dans le grenier. Ou alors tu disperses avec lui. Il dit que qui n'amasse pas avec moi, disperse. Donc maintenant, si tu n'es pas soldat de l'armée de Jésus, pour renoncer à ta vie sur la terre et avoir une seule requête pour prier avec l'armée de Dieu, pour que Jésus, le royaume de ton Père, vienne dominer le royaume de ce monde, alors tu vas être vaincu, tu comprends? Et tu vas être vaincu et jeté dans le feu éternel. Quand on dit vaincu, ça veut dire que tu vas brûler pour toujours dans le feu éternel. Ces soldats qu'on a vu brûler, qui ont brûlé, que j'ai vu brûler, les deux vifs là, ils avaient leurs enfants à la maison, donc ils sont mariés, ils sont entrés dans l'armée. Mais si on leur avait dit dès le départ, qu'avant d'aller t'engager là, est-ce que tu sais comment tu vas finir? Est-ce que tu sais le dernier jour de ta vie, mon frère, comment tu vas finir? Voici comment tu vas finir. On va te brûler, tu comprends? Dans le feu, pour l'éternité. Est-ce que tu comprends bien, mon frère? Est-ce que c'est dans ton cœur? Il faut bien écouter. Beaucoup ne méditent pas ça. Méditer, quand tu commences à méditer les paroles de Jésus, le Saint-Esprit va te révéler avec la puissance de Dieu et tu vas te mettre à la place de ceux qui sont en train de brûler. Tu vas comprendre leur remords. Tu comprends? Tu vas entrer dans la réalité de leur requête. C'est-à-dire que tu vas entrer et comprendre. Le Saint-Esprit va te transporter. Il va te faire comprendre. Tu comprends? Dans ton cœur, dans ta pensée, dans ton corps. C'est-à-dire que le jugement éternel de Dieu contre quelqu'un qui a raté la grâce de Dieu et qui est entré pour toujours dans le pays de la malédiction, de la souffrance éternelle, dans la malédiction maudite. Que tu es parti là-bas, tu as raté ton âme, mon frère. Il m'arrive parfois de méditer sur les frères, les soeurs qui sont morts dans le péché. Et puis parfois, je me réveille, je dis, quoi? Tu as perdu ton âme, mon frère? Tu es dans le feu? Est-ce que tu comprends ce qui t'est arrivé? C'est pour toujours, hein? C'est pour toujours, hein? C'est pour toujours, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Si tu avances, si tu assures la terre, tu avais médité, si tu savais ce qui t'attend, tu ne devais pas dire que je vais entrer dans l'armée de l'ennemi. Tu devais chercher à entrer dans l'armée du Dieu vivant. Ce que doit faire tout homme
te voici perdu dans le feu terrible pour des siècles et des siècles. Pourquoi tu n'avais pas médité pour que Dieu mette la requête dans ton cœur? Méditer pour que Dieu te fasse connaître la réalité de la fin qui t'attend, tu comprends? Pour entrer maintenant, pour commencer avec une détermination. Que moi, je suis ici parce que je ne veux pas aller dans le feu éternel. Je ne veux pas monter, descendre. Je veux seulement aller là où on me parle de la valeur de mon âme et comment éviter la colère du Dieu redoutable. Est-ce que la requête des prières que tu vas dire à Dieu, c'est dans ton cœur? Tu ne peux pas. Tu comprends? Puisque toi-même, tu ne médites pas. Je suis en train de méditer sur le feu éternel. Et la durée du feu éternel. Et le Seigneur m'a parlé sur un langage que je ne suis pas capable de comprendre. Il m'a dit, mon fils, je vais essayer de vous dire. Mais je n'ai pas encore conçu ça. Je vais essayer de vous dire. Il m'a dit que mon fils, tu ne comprends pas bien. Quand tu tombes dans le feu éternel, c'est-à-dire que le langage qu'il faut appliquer pour te faire comprendre que tu es dans l'impossibilité de la délivrance, c'est un langage que le vocabulaire humain ne peut pas exprimer. Je vais essayer de vous dire ce que j'ai un peu vu dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on te met dans le feu par le petit feu que tu parles là. Tu comprends? Mon frère, c'est-à-dire que le matin, midi, le soir, c'est le feu. Tu ouvres la bouche, c'est le feu. Tu parles, c'est le feu. Tu regardes, c'est le feu. Pas de toilette, pas d'eau. Pas de maman, pas de papa, pas de déjeuner, rien. Pas de les petits mots de tête, les petits. Ça, c'est zéro. Tu vas brûler. Le feu vif brûle, mon frère. Ta conscience est calcinée par la douleur. Les muscles, les membres, l'âme, l'esprit, la pensée, la réflexion. Tu es dans le feu, en train de brûler, mon frère. C'est la puissance et de la colère éternelle de Dieu. Tu es maudit. Tu as voyagé dans le feu, frère. Pendant que d'autres sont encore au ciel, en train de voyager là-bas, marcher, qui? Toi, tu es en train de voyager dans le feu. Les vagues de feu te prennent nord au sud, à l'est, à l'ouest, en haut, en bas. Tu es en train de crier, oh, Seigneur, de le peuple. Tu tournes, tu vois comment les gens tapent le corps à terre. Tu tournes dans le feu pour toujours. C'est-à-dire que dans ta réflexion, quand tu dis que Seigneur, je vais sortir d'ici là, quand, est-ce que c'est dans ton cœur? Écoute bien, c'est parce que tu ne médites pas, tu comprends? Et tu es endormi dans le monde. Maintenant, est-ce que c'est dans ton cœur? Quand le Saint-Esprit te fait voir ça, tu es la personne qui est déjà jugée. Et qui t'a dit qu'à un moment, il s'est dit que, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu vas rester ici pour toujours? Est-ce que tu pourrais sortir encore un autre jour? Mon frère, il n'y aura plus d'autre jour. Et c'est là ce que les gens ne comprennent pas. Tu comprends qu'il est difficile de comprendre. Que tu ne sortiras plus jamais. Tu comprends? Alors le Seigneur dit que le mot jamais là, écoute mon fils, c'est comme si on te disait que tu vois le sable qui est au bord de la mer. Ne dis pas que tu as compris, tu n'as jamais rien compris. Calme-toi. Le sable qui est au bord de la mer, frère. Le sable là, on te disait que, ok, comme tu dis que tu vas sortir. Alors, Dieu t'a dit que tu ne comprends pas ce que tu devais comprendre. Dieu va te donner l'habileté de comprendre. Tandis qu'il dit que pour que tu sortes, voici ce qui va se passer. Tu dois prendre un grain de sable ici là. Tu voyages, ne dis pas que tu as compris. Non, ne dis pas. Tu voyages à pied, peut-être que des États-Unis jusqu'en France, disons à pied. Du Canada en France avec un grain de sable. Alors, et puis tu vas revenir à pied. Et tu prends encore un grain de sable au bord de la mer pour aller en France et puis revenir. Le temps que ça te prendra, est-ce que tu comprends, pour vider ce grain de sable. Bon, écoutons maintenant le paradoxe. Pour que tu comprennes que tu ne peux pas quitter, quand c'est terminé. Jésus dit que ce que ton frère ne comprend pas et ce que l'humanité ne comprend pas, quand tu es dans le feu éternel, tu ne peux pas commencer le processus de la délivrance. Tu comprends? Le temps ne peut pas commencer à compter. C'est un anachronisme inexplicable dans le langage humain. Il dit que voici à peu près ce que je te donne comme préfiguration. Quand lui, il va commencer à prendre le grain de sable, parce qu'il ne peut plus supporter la douleur, il ne peut plus. Mon frère, ça va, c'est incroyable, la malédiction éternelle. C'est quelque chose de terrible,
C'est-à-dire que quand je me lève pour venir prêcher, qu'est-ce qui est dans mon cœur quand je prêche? Qu'est-ce que je cherche quand je prêche? Qu'est-ce que je vise quand je prêche? On va revenir demain pour voir l'homme riche. Comment lui, il a dit qu'envoie les gens dans ma maison. Tu comprends? Pour les annoncer quoi? Ces choses attestées. Ça veut dire qu'ils ont été témoins. Ils connaissent ce que dans mon cœur, je suis violemment tourmenté. J'anticipe les souffrances de quelqu'un qui va se retrouver dans une minute au feu pour toujours. Donc c'est dans mon cœur, c'est urgent. Je ne fais rien, je ne peux plus dormir, le temps est fini. Je cherche à gagner mon âme, je n'ai qu'une requête dans mon cœur. Jésus a tout déraciné, je n'ai qu'un seul objectif. Si je pouvais atterrir encore sur la terre, la grâce de Dieu, tu comprends, mon frère? Donc, voici ce que Jésus illustre. Jésus dit que quand la souffrance, la douleur d'abord, qui n'est pas exprimable, et puis maintenant, s'il part, il se dit que je vais aller prendre le grain de sable et que je vais aller mettre là-bas une fois. Écoutez bien, hein? Je vous parle de l'anachronisme, soit du temps, de la douleur que toi tu ne connais pas et qui dure pour toujours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer à compter. Jésus me fait comprendre que quand il prend le grain de sable là pour aller déposer en France, une fois qu'il tente de déposer en France, il vient encore d'augmenter le temps de sa vie un milliard, des milliards et des milliards de fois. Donc quand il tente même de faire comme le temps va être compté, il ne fait qu'entrer dans la révélation de la longueur de son tourment. Est-ce que tu comprends? Frère, ça c'est fort, ça c'est très fort. Je vais aller méditer. Ça veut dire que quand il prend le grain de sable, il met en France, il croit, même si l'on dit Yahvé, ça veut dire que s'il peut penser dans son ignorance qu'il y a possibilité qu'il vive dans toute la mer, Dieu vient de lui dire que la tentative de vouloir sortir du feu éternel, ce n'est qu'une augmentation du temps de ta vie dans le feu éternel. Est-ce que tu comprends? Il dit que le grain de sable que tu as mis là-bas, ça signifie maintenant une autre plage de grains de sable, tu comprends, que je viens encore de mettre sur place. Pour que quand tu vas finir, si tu mets encore un deuxième sable, ça veut dire que tu as mis une autre plage que tu vas vider. Est-ce que tu comprends? Donc tu n'es pas nulle part. Est-ce que tu suis, frère? Ça veut dire que la mal, la souffrance, la longueur, là, tu ne peux plus sortir. On ne compte pas le temps là. Est-ce que tu suis? Ça veut dire que quand tu pars, tu mets... On te demande qu'est-ce que tu as déjà fait comme distance. Tu dis que j'ai pris un grain de sable. On dit que ok, tu viens d'ajouter encore 10 000 milliards de siècles dans le temps que tu as passé dans le feu. Tu ne sortiras plus jamais. Si tu dis que tu ne vas pas aller prendre le grain de sable au bord de la mer pour mettre là-bas, tu resteras toujours au point de départ pour brûler au feu. Est-ce que tu comprends? J'espère que vous allez bien comprendre, hein, cette illustration que l'Esprit de Dieu nous donne, hein. Ça veut dire que si tu dis que moi, je vais seulement rester au feu, tu vas rester toujours. Pareil. Si tu dis que je crois que je peux prendre un grain de sable pour amener là-bas, toi qui mets là-bas, c'est simplement que tu vas encore ajouter un autre. Vous êtes tous damnés pour l'éternité. Est-ce que c'est dans ton cœur? Il ne te manque que peut-être 30 minutes, ou bien 30 ans, ou 20 ans. Tu n'as pas ça dans le cœur. Tu ne crains pas Dieu. Jésus dit que dans Luc 12, verset 4 à 5, je vous dirai à vous qui êtes mes amis, qui vous devez craindre. Tu comprends? Tu n'as pas ça dans le cœur. Hey! Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui a ça dans le cœur, à la minute, et que tout ce qu'il possède, c'est ce que Jésus a dit. Est-ce que c'est dans ton cœur? La prière que tu fais là, je veux la vie éternelle avec la bouche. Mais le cœur est derrière maman. Il faut écouter. Quand tu meurs, tu vas dire à Jésus, Seigneur, le pasteur Essomba m'avait dit la vérité. Bénis cet homme. Mais ce sera peut-être trop tard. Hein. Ça sera trop tard. Tu vas dire que, au père, que papa, Jésus m'avait dit la vérité. Il m'avait dit la vérité. Que qu'est-ce qui me servirait? Que me servirait-il de gagner toute la terre si je partais dans le feu éternel? Si j'avais écouté Jésus, j'aurais eu la vraie requête de prière dans mon cœur. Tu comprends?
sache que c'est dans ton cœur. Quand tu dis que tu veux la vie éternelle, tu vois quelqu'un, il part après, il se masturbe. Tu vois quelqu'un, il monte, il descend. Il dit qu'il a des problèmes. On dit qu'il y a programme, il ne vient pas. On dit qu'il y a conférence et il tourne. On dit qu'il y a prière, il est en retard. Il dit qu'il part à l'école. Tu, toutes tes prières, voilà ce que Dieu te dit. Ça ne part nulle part. Parce que Dieu regarde le cœur. Tu comprends? Ce n'est pas la récitation. Seigneur, j'ai prié, dit que tu n'as jamais prié pour que je te donne la vie éternelle. Et même devant moi, tu mens encore. Tu n'as jamais médité. Le ciel n'était pas important pour toi. Et puis la crainte de Dieu, c'était une blague devant tes yeux. Je ne t'ai jamais connu. Tu comprends? Retire-toi de moi. Enfin, de la malédiction. Quiconque entend et reçoit la requête de Dieu dans son cœur ne s'amuse pas avec son âme. Tu comprends? Aller dans le feu pour toujours, on sort quand? Quand? Est-ce que c'est dans ton cœur? Tu peux souffrir? Tu connais ce que me dit le feu éternel, mon frère, ma soeur, où Satan craint de partir, où Satan, les frères qui arrivent là-bas, disent que parfois ils le trouvent. Je te dis que viens, 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 je vais te montrer Satan, je vais te montrer le prince du monde. Comme vous, il vous trompe dans le monde. Lui, il est plus intelligent que vous. Et puis, il sait que sa place est dans le feu éternel. Tu comprends? Voilà. Et il connaît ce cœur un peu plus que vous. Parce qu'il ne connaît pas complètement. Il n'y a que Dieu qui connaît l'éternité. Si Dieu te parle de la durée du temps de feu et de l'intensité, mon frère, voilà la vraie église. Voilà ce que le frère là qui a mis le commentaire, un petit commentaire seulement, ça m'a touché. Il dit que toute église qui ne te parle pas du feu éternel, fuis. La première prédication, c'était le feu éternel. Dieu dit à Adam, quand tu manges, le jour où tu manges, c'est la mort. C'est ça que la Bible a dit. Et le deuxième Adam, c'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Quand tu manges, c'est le feu éternel. Le deuxième Adam enseigne sa femme, Ève, qui est comme l'église. Que le jour où tu tentes de manger, c'est le feu éternel pour toujours. Tu comprends? Moi, je suis le deuxième. Je ne veux pas venir manger encore ou bien pécher. C'est terminé. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Si tu veux te marier à moi, renonce à toi-même. Aie mon cœur. La seule requête dans le cœur d'un homme, c'est d'arriver au ciel, au pays du repos. Éviter la malédiction. Est-ce que c'est dans ton cœur? Tu dis que tu as fait l'erreur pour aller prier. Le pasteur m'avait trompé. Parce que ce n'était pas dans ton cœur. Tu es parti voir le faux prophète. Parce que ce n'était pas dans ton cœur. D'annoncer et de fuir le feu éternel. Tu devais lui dire que mais tu ne prêches pas le feu éternel. Tu ne dis pas aux gens que le servirait-il de gagner sur la terre et aller dans le feu pour toujours. Tu es un faux prophète. Tu ne mets pas la requête dans le cœur. Tu ne fais pas que le cœur du peuple revienne vers l'éternel. Dans leur prière, dans leur quête, dans leur pensée, dans leur marche. Tu ne fais pas qu'ils marchent pour aller vers l'éternel. Tu ne leur mets pas la crainte de Dieu dans le cœur. Tu ne prêches pas la sagesse de Salomon. Parce que la Bible dit que Dieu lui donne la sagesse. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alors, très clair. Et puis Jésus nous enseigne dans Luc 12, 4, 5, que je vous dirai qui vous devez craindre. Donc Jésus enseigne la sagesse de Dieu. Et Salomon dit que craigne Dieu. Voilà tout ce que doit faire tout homme. L'homme riche dit que va dire à ma famille, c'est que dans mon cœur, c'est qu'on doit craindre que Dieu. Sinon, ils vont être tourmentés dans le feu éternel. Tu t'amuses, tu partais où là, mon frère? Réveille-toi, ce n'est pas la blague. On va prier. Est-ce que c'est dans ton cœur? Tu vois les gens, ils montent, je partais à l'église. Le pasteur la prêche bien, il prêche quoi? Tu pars dans le feu éternel. Tu ne crains pas Dieu. Tu vis pour toi-même. Tu te couvres des versets bibliques et des petites activités. Avec le cœur là, tu crois que tu vas voir Dieu? Il dit que je veux le premier amour. L'éternel ton Dieu est unique, le seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mon frère et ton prochain, comme toi-même tu ne veux pas aller au feu éternel. Et que tu souffres, tu tiens durement ton corps assujetti. Et tu renonces à tout ce qui était pour toi comme un des cheveux. C'est devenu la boue. C'est de la même manière que devant que tu aimes ton frère, que tu lui disais de vivre comme toi. Soyez mes imitateurs,
comme moi-même je le suis de Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Alors, vous cherchez le faux amour. Est-ce que c'est dans ton cœur? C'est comme ça qu'on commence à critiquer les gens à gauche, à droite. Vous paraissez juste aux hommes. Vous cherchez à paraître juste aux hommes. Avec les églises, les prédications, les postes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Tu fais aussi comme les autres. Comme on prie, tu pries aussi. Hey, on prêche, tu prêches aussi. Dieu connaît ton cœur. Est-ce que c'est dans ton cœur? Je vais prier avec toi. Luc 16, la Bible dit que, voilà très clair dans Luc. Chapitre 16, je vais prier, réveille-toi, ouvre ton micro. Le riche dit, avance, le riche dit que, voilà, très clair. Oh, voilà, dans le séjour des morts, le riche leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. C'est-à-dire que c'est ceux qui méditent. Quand tu médites, Dieu te fait comprendre la souffrance, les tourments. Tu comprends? Les tourments. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre la vraie requête. Tu vas commencer à prier. Ça va entrer dans ton cœur. Que je ne fais pas. Oh, j'ai encore l'opportunité d'échapper au feu éternel. Et tu me dis que j'ai un problème sur la terre. Et tu me dis de prier pour autre chose. Menteur, retire-toi de moi. Jésus ne t'a pas envoyé. Si tu étais envoyé par Jésus, tu dirais les paroles de Jésus. Que je n'ai aucun problème sur la terre. Que quand me servirait-il de régler mes problèmes sur la terre? Si je partais au feu éternel. Si Jésus t'avait envoyé, tu devais m'enseigner les paroles de Jésus. Qui dit que crains Dieu. Que je m'affectionne au ciel. Que si je suis ressuscité avec Christ. Que je m'affectionne aux choses d'en haut. Que je porte ma croix. Que je n'aime pas ma vie. Parce que celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui déteste sa vie la retrouvera. Toi tu es fort prophète. Même si tu parles n'importe comment. Je n'ai pas de problème sur la terre. Que servirait-il à un homme de gagner sa vie? Je te dis que si je veux gagner ma vie, je vais la perdre. Pourquoi tu m'apportes le fort problème? Tu es un faux pasteur. Dieu te dénonce. Dieu te démasque. Ne dis pas aux gens que tu prêches aussi la sainteté. Ne manque pas, ne vole pas. Ça ne va pas m'amener au ciel. Le péché est une racine qu'on doit déraciner. C'est pourquoi je veux que tu me dises que la terre ne vaut rien, que je n'ai aucun problème, que je crains Dieu, le feu éternel, pour que je vite la colère de Dieu et que j'aille au ciel. Donc Jésus montre à ce frère Satan. Satan était assis là. Jésus dit que regarde, il était là comme ça, brisé. Il pense, il dit, ah, il a créé, Dieu a créé le feu où je vais habiter, où je vais rester pour toujours. Le feu, la colère pour toujours. Est-ce qu'il comprend le mot pour toujours? On ne dit pas 2000 ans, on ne dit pas 1000 ans, on ne dit pas 100 000 ans, on ne dit pas 100 millions d'années, on ne dit pas 1 milliard d'années, on ne dit pas qu'après 1 milliard et 1 milliard d'années, il va encore me faire retirer de ce feu. Je l'ai déjà insulté. J'ai déjà blasphémé le Saint-Esprit. Et sa parole dit qu'on ne me pardonnera plus jamais pour l'éternité. Il a parlé dans son royaume devant les Gabriel, les Michel, les témoins du ciel qui savent que sa parole ne peut pas entrer sans que ça accomplisse sa volonté. Donc pour moi, c'est fini avec les démons qui m'ont suivi. Et puis dit que l'humanité parle là-bas. Non! Il a crié. Après, Jésus dit que regarde-le. Satan réalise tout ce qu'il attend pour l'éternité. Il a crié. Il appelle son armée. Il dit qu'allez dans les églises. Allez dans le monde. Que personne batte au ciel. Tu comprends? Mettez dans le cœur les désirs du monde, les problèmes d'Israël. Éteignez le message de la crainte de Dieu dans les cœurs des chrétiens. Qu'ils n'aient plus la seule requête, l'envie de suivre Jésus. La seule personne qui peut les libérer de ma main. Qu'ils le méprisent, qu'ils aient d'autres requêtes. Allez les combattre. Allez briser. Donnez-les les fausses révélations, les fausses requêtes de prière. Donnez-les la sociologie pour enseigner aux gens comment vivre dans la société. Ne manque pas, ne vole pas, sois gentil. Lave les habits de ta femme. Lave les habits de ma femme. Ne m'envoie pas au ciel. Ma femme peut être bien avec moi, mais je peux faire éternel. Si j'ai le cœur de Jésus, tout va être bien. Enlève le cœur du monde. Tu dis que Dieu nous pardonne, ouvre ton micro, mon frère, ma soeur. Satan a piégé l'église, il a piégé les pasteurs, les
que le monde comprenne. C'est l'heure de prier. Est-ce que c'est dans ton cœur? Ouvre ton micro, ma soeur. Ouvre ton micro, mon frère, pour demander à Dieu pourquoi tu parles grâce, pourquoi tu pries avec la bouche alors que ce n'est pas dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, tu vas mentir jusqu'à quand? Oui, le vrai message, c'est celui qui te dit que qu'est-ce qui te sert? Tu pars où? Tu vas habiter où? Le feu éternel arrive, prie, parle à Dieu, que tu vas prêcher, oui, la vérité, que ce soit dans ton cœur. Ce n'est pas les révélations qui tourne à gauche, qui tourne à droite pour avoir la foi. Est-ce que c'est dans ton cœur? Parle à Dieu. Seigneur, tu nous appelles à avoir le message dans nos cœurs. La requête, la lourdeur là, la lourdeur de la prière là, ce n'est pas de Dieu. Résiste à ça. Lève-toi en esprit pour prier. La lourdeur là, ce ne vient pas de Dieu. Déconnecte-toi pour monter au ciel, pour que Dieu mette dans ton cœur la vraie requête de prier. La vraie requête de prier. L'objectif de ta vie. L'unique but, mon frère, le refroidissement, ça vient parce que tu ne connais pas le feu éternel. Pour toujours, pour toujours. Est-ce que c'est dans ton cœur? Prie, parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur de Dieu. Ouvrez le micro. Seigneur de parler à Dieu. Pour que le Seigneur sème dans ton cœur. Parle à Dieu. Qui déracine, déracine. Déraciner les fausses requêtes, les fausses priorités, les fausses soucis, les inquiétudes, les mensonges, les fausses prédications. Ne fais pas, ne fais pas. Dans le cœur, roi des cieux, le feu éternel, terrible. Tu n'as aucun problème sur la terre. Aucun problème. Est-ce que c'est dans ton cœur? Est-ce que c'est dans ton cœur? Voilà ce que l'Esprit demande. Est-ce que tu as vécu pour ça? Est-ce que tu as investi pour ça? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas le discours de la sagesse humaine, avec les fables, avec les trucs qui font rire, qui font applaudir. C'est est-ce que c'est dans ton cœur, frère? Ma soeur, le pays du feu, le feu éternel, tu as raté? Tu n'es pas parti au ciel? Oh non! Seigneur, aie pitié! Mets dans mon cœur! Mets dans mon cœur! Prie, mon frère! Prie, ma soeur! Parle à Dieu! Parle à Dieu! Ne regarde pas les gens! Tiens Dieu! Quand t'as tendu les pièges! On m'a tendu les pièges, Jésus! Avec l'activité! Hey, avec les titres! On m'a tendu les pièges! Aie pitié de moi! Délivre-moi des griffes qui viennent. Délivre-moi, Seigneur, mon père, de l'ennemi, du dragon, de la bête. Délivre-moi de tout piège. Mon père m'a tendu des pièges. Que servirait-il à un homme, Seigneur, de gagner toute la terre s'il perdait son âme, de prêcher toutes les prédications si les hommes partaient après éternel? Oh, alléluia! Frère, prie, ma soeur, prie, que te servirait-il de prier que Dieu m'a répondu après tout ton feu éternel? Non! Oh, que Dieu t'aide! Parle à Dieu! Tu t'es levé pour prier, ne suis pas Colette, ne suis pas le grand, parle à Dieu! Tu vas laisser, tu as ton âme seul, ne suis pas les autres! Oh, parle à Dieu! Demande la grâce, le faux prophète va venir pour séduire! C'est l'heure de prier, Skype, c'est l'heure de prier! Oui, mon père, oui, mon père, aie pitié, Seigneur, toi puissant, le faux prophète, viens pour entraîner beaucoup dans l'erreur, dans le mensonge, dans les distractions, dans les faux miracles. On te donne le crédit au téléphone. C'est ça le miracle, hein? Tu viens à l'église pour avoir le crédit au téléphone. On prie pour que le crédit, on prie pour que le crédit parte dans ton téléphone. Voilà le miracle quand ils partent chercher là-bas dehors. Le mensonge. Alors que tu pars dans le feu éternel pour toujours. Prends Dieu, le faux prophète ne va pas t'arrêter. Il ne va pas t'arrêter. Il va séduire même les élus. Il va les séduire. Prie Dieu. Tu pars au feu, le feu éternel. Mon frère, c'est dans ton cœur. Tu ne pars pas là-bas. Tu demandes à Dieu la vie éternelle, la grâce du salut,
pour l'humanité. Voilà pourquoi tu es l'Église. Voilà pourquoi tu es chrétien. Voilà pourquoi tu es appelé. Une seule cause, un seul motif. Oui, le ciel. Rien d'autre. Tout rien. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je me déconnecte de moi-même, de toute inquiétude, de toute discussion, de tout esprit qui me fait penser à moi-même. Il y a le feu éternel. Il y a la souffrance dedans. Satan travaille fort. Pourquoi tu ne penses pas à ça? Est-ce que c'est dans ton cœur? Tu as oublié? Tu as oublié qu'il y a le feu éternel? Mon frère, réveille-toi. Ma soeur, réveille-toi. Merci Seigneur.